Salut, je m'appelle Charline, je suis sales manager chez LegalStart.fr et ça fait 5 ans que je suis chez LegalStart. Après mon bac, j'ai pas fait d'études, donc j'ai un parcours un peu atypique puisque c'est assez rare dans une start-up. J'ai cherché un métier qui demandait en tout cas beaucoup de motivation et j'avais très très envie d'apprendre. Je suis rentrée en tant que sales chez LegalStart après une précédente expérience aussi dans la vente. En l'occurrence, j'ai vendu donc les produits classiques de LegalStart qui sont par exemple la création de la société. Suite à cette expérience, en fait, j'ai évolué et j'ai commencé à diriger cette équipe en tant que sales manager et j'ai migré ensuite sur des problématiques plutôt liées à l'abonnement et donc à ce qu'on appelle l'upsell. Et aujourd'hui, j'ai créé et donc je dirige cette équipe de commerciaux. Je dirige une équipe de commerciaux. C'est une équipe qui est très récente, en l'occurrence chez LegalStart. Et donc, il y a tout le temps de nouvelles initiatives, tout le temps de nouveaux process, tout le temps de nouveaux produits. Donc, mes commerciaux aujourd'hui, ce sont vraiment de véritables couteaux suisses de la vente. Et ça demande vraiment des grosses capacités d'adaptation. Moi, à titre personnel, mes missions, elles se décomposent principalement en deux grands axes. D'abord une partie très opérationnelle, animation, gestion, coaching de cette équipe de commerciaux et analyse, reporting des performances de cette équipe. Et il y a une partie un petit peu plus innovation sur la conception de nouvelles offres, sur en tout cas l'amélioration des offres déjà existantes, la pertinence des offres déjà en place, donc challenge des abonnements déjà existants et potentiellement création de nouveaux abonnements. Ce qui m'épanouit au quotidien, je pense que c'est vraiment la pluralité de mes missions. En réalité, c'est très intéressant. Et surtout, l'équipe que je dirige aujourd'hui, je l'ai recrutée à 100%. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler avec des gens au quotidien qui, en réalité, sont plus que des collègues et avec qui il y a un attachement plus que professionnel. Pourquoi ma personnalité a fité avec LegalStart et pourquoi elle continue de fiter? Je pense que quand je suis arrivée chez LegalStart il y a 5 ans, j'avais vraiment, vraiment besoin de reconnaissance. J'avais du mal à percevoir ma valeur. J'avais également besoin et très envie d'apprendre, mais c'était presque trop présent. J'ai dû apprendre à canaliser aussi cette envie pour laisser de la place en fait aux autres. Et en réalité, en arrivant chez LegalStart, on m'a montré que lorsque le travail était bien fait, on était tout à fait capable de le dire. On a été particulièrement bienveillant, on a investi du temps pour m'apprendre de nouvelles choses. Et on m'a poussée en fait à être exigeante avec moi-même et à être la meilleure version de moi-même. Et en réalité, ça m'a vraiment comblée. Et en fait, aujourd'hui, ce ne sont même pas tellement des problématiques que j'ai, puisque je suis tout à fait capable de percevoir ma valeur toute seule maintenant. Donc non seulement c'est un fit, mais c'est surtout un apprentissage fou.